Alors là, mon frère, il faut t'avouer qu'avec cette chaleur, j'en avais vraiment besoin. Ok. C'est toi qui connais les meilleures choses. Regarde. Par jour, mais regarde, ça fait bien d'ailleurs. Mais tu sais que ça, c'est même quoi, on appelle ça le charlin. Voilà. Et c'est quand tu bois de ce vin. Alors les gars, il y a quelque chose là pour vous donner un peu d'énergie. Ok. Aïe 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 aïe. Non, non, non. Je commence d'abord par mon mari, la charité vient me donner. Oui, commence toujours par soi-même. J'espère que tu n'es pas jaloux. Non, pas du tout. Ah. Voilà. Merci Abene. Ça va là. Bon. Vous allez vous débrouiller. Ok, merci madame. Ah, passe-moi la batte. Pourquoi pas me suivre? Vieux frère, il faut t'avouer que Bernadette est vraiment pleine de sollicitude. Hein? Je te dis une chose toujours, je te dis que la polygamie est une bonne chose. Il existe une sorte de concurrence. Ah bon. Chacune veut assurer sa place. Ah, ah, il faut t'avouer que en matière de réchauffer le lit d'un homme, Bernadette doit vraiment s'y connaître. Hein? Surtout avec un tel corps. Je donnerais beaucoup pour avoir une telle matière dans mon lit en ces moments d'hivernage. Vas-y doucement. Qu'est-ce qui est ce condamné de ma femme? Mais bien sûr, mais alors ne te viendrais tout de même pas en idée que je voudrais faire quoi que ce soit à ta femme. Tu es tout de même mon frère, tu es mon meilleur ami. Hein? Ta femme, je la considère comme ma sœur. Bon, par contre, il n'en est pas de même pour déjeuner, la petite Gélie. Je la veux tellement. Je n'aime pas ton genre. Comment ça, c'est pas mon genre? Non, je la considère comme ma belle-sœur. Et puis? C'est la femme de mon cousin. Et puis ça fait quoi? Ne va pas tremper tellement là-bas, s'il te plaît. Non. Écoute, laisse tomber. Non. Cette petite, elle me nargue avec tellement d'aplomb que je me reste tout simplement, ne serait-ce qu'une seule fois. Tu vois, une seule fois, histoire de lui rabattre son caquet. Non, ce serait un vrai trésor de guerre. Je te toujours dit qu'on n'est pas victorieux chaque fois. Hein. Non. Surtout qu'on ne gagne pas toutes les guerres. Non, j'aimerais bien t'y voir, toi. Tu dis ça parce qu'il ne s'agit pas de toi. Ah. Mais cette petite-là, non, écoute. Bon, de toutes les façons, si ça ne marche pas avec Gélie, hein, j'ai des yeux sur quelqu'un d'autre. Non, rassure-toi, je t'en parlerai. Surtout sur sa mort. Non. Tu ne vas tout de même pas tremper tes pattes là où je pose mes pieds. Qu'est-ce que tu vas encore chercher par là, vieux frère? Ah, non, je te vois venir. Non, rassure-toi, rassure-toi. Non. Aurais-tu pensé un seul instant que je voulais te doubler sur la femme du vieux catéchiste? Non. Tu sais que je ne ferai jamais ça. Je ne l'ai jamais fait. Je sais. Depuis quand as-tu déjà vu deux fantômes jouer à cache-cache? Non. C'est clair comme le dontol, non? Ah. Et puis, ta fille, où en es-tu justement avec elle? C'est un morceau dur. Oui, mais très dur. Oui, raconte-moi tout. J'ai de l'espoir. Ça veut dire que... Tu sais, je cherche encore un meilleur point d'attaque. Non, alors là, je fais. Non, là, je ne te comprends plus. Ou tu vieillis ou je ne sais pas. Tu ne vas tout de même pas me dire que depuis tout ce temps-là, tu n'as toujours pas attaqué. Ah, j'aimerais te voir toi à l'œuvre, face à un tel adversaire. Avec une femme aussi hermétique, il faut y aller avec beaucoup de délicatesse. Je n'en disconviens pas, mais tout de même. Tu te rends compte, tout le maïs que je lui lance, elle ne le voit même pas. Comment ça, elle ne le voit pas? Elle a la tête dans la Bible, Dieu. Dieu. Dieu est monté, Dieu est descendu, toujours des histoires. Tout ça, ce ne sont que des histoires. Tu sais. Écoute-moi bien. Elle fait bien ça avec son mari, non? Mais alors, ça veut dire qu'elle sait de quoi tu parles. Bon, si elle continue à faire semblant de ne pas comprendre de quoi tu veux parler, il y a un moyen plus simple. Ah bon? Mais baisse carrément ta culotte et montre-lui clairement ce que tu veux. Oh, dis donc. Mais je t'ai dit. Non, mais c'est radical, mon ami. C'est de la sauvagerie, ça. C'est pour l'éloigner définitivement. Bon, tu trouves que je serais sauvage, moi, alors? Non, tout ce que je dis, c'est que je cherche un meilleur point d'attaque. Je n'en disconviens pas, mais depuis tout ce temps. Tu sais. J'ai pris une décision. Oui. J'attendrai aussi longtemps qu'il le faut. Oui. Comme une terre arrive à tout le monde. Oui. Rappelle-toi aussi ce qui est arrivé au lièvre à force d'attendre le fruit. L'autre jour, j'ai pêché un gros lièvre dans mes pièges. Hein? Lièvre buffle. Et tu l'as mangé tout seul avec Bernadette? Non. Je l'ai offert au catéchiste. Ah oui, ok, je comprends. Engang. Oui, je dois terminer avec cet arbre-là. Oui, tu as raison. Il faut qu'on se remette au travail parce que... Ces histoires de chasse, nous en reparlerons plus tard. Faut faire attention, hein. Dans le compte. Oui. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est si peu de choses, Sabine. Eh, mon frère, que le Seigneur te bénisse. Tu es tout de même l'épouse de celui qui prêche la bonne nouvelle dans ce village. Vraiment, si tu n'avais pas existé, il aurait fallu que le Seigneur te crée. C'est ça.